Bien-aimé, que la grâce, la paix, l'amour de notre Dieu nous bénisse en ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que nos cœurs soient remplis d'amour, afin que nous soyons un comme le Seigneur et un. Dieu Trinité et un. Nous voulons nous aimer comme le Seigneur nous appelle à le faire. Lui qui nous a aimés sans condition, il nous appelle aujourd'hui à aimer comme lui il aime. Donc, bien-aimés frères et sœurs, si nous nous aimons, c'est Dieu lui-même qui est en nous. Car ceux qui aiment sont de Dieu, car Dieu est amour. Et ceux qui n'aiment pas ne sont pas de Dieu. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous le dit en Jean 17, 11 à 19. Qu'il soit un comme nous-mêmes. Sanctifie-les, Seigneur, dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Oui, Seigneur, ton désir, c'est que nous formions un seul corps, le tien. Oui, ensemble, avec nos faiblesses, nos manquements, nos imperfections. En toi, Seigneur, nous sommes en perfection. Nous ne manquons plus de rien, car nous sommes rattachés à cette vigne. Nous sommes rattachés à cette vigne dont l'eau est intarissable. C'est lui qui comble toutes choses. Bien-aimés, le Seigneur veut que nous soyons unis, car lui, il est amour. Il nous invite à aimer même nos ennemis. Au travers de ce cantique, disposons-nous et laissons l'amour de Dieu transpercer notre cœur. Et briser toute barrière qui nous empêchait d'aimer un frère ou une sœur, quelle que soit la raison. Laissons Dieu aimer en nous. Laissons Dieu regarder en nous. Laissons Dieu parler en nous. Laissons Dieu écouter en nous. Oui, ce que je veux, c'est regarder comme Jésus qui est amour. Parler comme Jésus qui est amour. Regarder comme Jésus qui est amour. Oui, Allah. Les uns les autres. Oui,
Dieu nous appelle à notre tour à donner nos vies pour nos frères et sœurs, comme lui il l'a fait en premier. Il a donné sa vie pour nous. Frères dans le Christ, aimons-nous les uns les autres en acte et en vérité. C'est le commandement que Christ nous demande de vivre, ce commandement d'amour. D'amour. Si nous nous aimons les uns les autres, aimer mon ennemi. Si nous nous aimons, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Le Tout-Puissant demeurera en nous. Dieu est avec nous. Le puissant guerrier marchera avec nous chaque jour. Si nous nous avec nous, le Tout-Puissant, le fidèle ami marchera avec nous. Dieu est avec nous, l'ami fidèle de tous les temps, celui qui ne déçoit jamais marchera avec nous. Dieu est avec nous. La condition c'est si nous nous aimons. Oui, si nous nous aimons les uns les autres, il marchera avec nous. Est avec nous. Il est avec moi, le Dieu de Jacob. Citadelle pour moi. Alléluia. Alléluia. Il est avec nous. Il est avec nous. Si nous vivons ce commandement d'amour envers nos frères et nos sœurs, il sera avec nous. Car il est amour. Il demeurera avec nous. Et Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Si nous nous aimons, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Si nous nous aimons, Dieu est avec nous. Il est avec nous. Et dans cette atmosphère remplie de l'amour de notre Dieu, nous lui demandons de venir saturer nos cœurs de sa sainte présence. De venir nous combler, nous remplir d'amour, afin que nous puissions être ces canaux par lesquels il passe pour donner l'amour dans le cœur de celui qui a soif. Père, je m'abandonne en ce jour. Bénis-moi. Et fais de moi un instrument d'amour dans toute activité que j'entreprendrai aujourd'hui. Toi qui es le Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Alléluia.